amis, bonjour et bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo sur Bloxfruit. Aujourd'hui les amis, regardez, est-ce que vous avez deviné de qui on va utiliser le fruit aujourd'hui avec cette petite tenue? Et oui les amis, vous le savez, on va découvrir aujourd'hui le fruit de la glace. En même temps, l'endroit où on est était un petit indice, à vrai dire. Aujourd'hui, il est temps de découvrir le fruit de Aokiji, les amis. On avait fait le fruit de la flamme avec Ace il y a très longtemps, les gars, ça c'est pour les plus anciens. Et on avait fait aussi celui du magma, donc il est temps de tester celui de la glace, les amis. Tout ce qui touche un petit peu au froid, quoi. Le surgelé. Mais avant tout ça, les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, likez en balle, on rush les 100 000 abonnés sur cette chaîne et je sais que vous pouvez le faire. Bon, sans plus attendre, les amis, c'est parti. On va pouvoir aller débloquer ce petit fruit. Normalement, je l'ai dans mon inventaire. Où est-ce qu'il est? Attendez, je l'ai. Voilà, fruit de la glace. On peut l'instore, je l'ai avec moi dans mon inventaire. Regardez là, il est tout frais, il est tout beau. Il sort du congèle, c'est pour moi, les gars. On le mange directement. On va le tester, ce fruit. Boum, devenons à Aokiji, les amis, et c'est parti, on l'a les gars. Et comme vous voyez, je l'ai jamais encore testé, je suis maîtrise 1. Mais attendez, mais c'est incroyable, on a une petite lance avec. On a un trident, ça c'est stylé ça. Attendez, déjà combien il fait de dégâts ce trident? Ok, il fait déjà pas mal de dégâts. On peut les défoncer aisément, les petits bandits là, les petits bandits. Mais attendez les gars, il faut qu'on ait quand même du flow, parce que regardez notre aura là. Notre aura, elle est pas du tout de la bonne couleur, donc on va aller la changer. Normalement, je crois qu'il y a un frérot en dessous qui peut nous la changer. Et il est où? C'est par là? Je sais plus où c'est. Non, c'est là, c'est ici. Ok, bonjour tout le monde. Là, il y a le frérot Rayleigh qui nous apprend quelques habilités. Et là, on a le color spécialiste. Et du coup, on peut débloquer des petites auras. Sauf que moi, j'en veux une aux couleurs de moi. Aux couleurs de la glace. Allez, on débloque celui-là, les gars, pour 88 petits Robux. Allez, merci beaucoup, mon frérot. On active la couleur. Let's go. On est maintenant devenu en bleu. Si on change, on fait... Ouh, ok, là, on est aux couleurs de la glace, les gars. Là, c'est stylé, voilà. Et on va pouvoir commencer... Attendez, avec la première maîtrise, c'est lance de glace. Voyons voir ce que ça fait. Ok, on se met en l'air. Notre petite attaque s'apprête à être lancé, boum. Ok, donc on lance des petits trucs, je crois, c'est ça, on lance des petits trucs de glace. Attendez, j'ai pas bien vu, on va essayer de plus loin quand même. Hop, attendez, arrêtez d'essayer de m'attaquer. Ok, donc là, on est postiché, on va essayer sur lui. Ok, ça lui lance, ouais, quelques petits trucs de glace, c'est bien vénère. Ça fait le taf, mais du coup, je sais pas combien de dégâts ça fait, vu que, bah, ils sont très fragiles, ces gens-là, ils sont très fragiles. D'ailleurs, attendez, dans une maîtrise, on débloque déjà la deuxième maîtrise, ça s'appelle pic de glace. Parce que, attendez, il y a que 100 maîtrises à débloquer dans le pouvoir de la glace, je crois. Il y a pic de glace à 25, oiseau de glace à 5. Et époque glaciaire carrément à maîtrise 100. J'ai très hâte de voir ça les gars. Et je pense que pour le boss final on ira s'affronter le boss Aokiji directement en C2. Bon, je vais quand même... attendez les gars, j'ai payé ce cosplay, je vais quand même le garder un petit peu hein. L'aura c'est bien joli. Mais bon, oh ça la met autour du trident aussi un petit peu. Très vite fait, bon ça met juste un petit contour. Ok, bon voyons voir. Essayons lance de glace sur le Yeti. Ok, le Yeti affronte mes lances de glace. Ok, ça fait 3140, une petite attaque bien vénère. On peut le défoncer en un coup. Ok, nickel. On a débloqué la deuxième maîtrise, pic de glace. Qu'est-ce que la pic de... Oh là là, attendez. Oh là là, c'est quoi, je suis en train de cabrer là? Je cabre en Y. C'est quoi cette pause, les gars? J'ai cabre en Y, voilà ce que je fais. Ok, voyons voir. Pic de glace, c'est une attaque. Oh, ah ouais. Non mais là c'est énervé. Attendez, mais c'est... Elle fait combien de dégâts cette attaque? C'est un truc de fou. Ok, déjà, est-ce que eux ça les tue? Ah ouais, eux ça les tue, désolé, pardon. Attendez, mais pic de glace, elle fait combien de dégâts? Non, ça fait pas que du 2600 là. Attendez, c'est juste qu'ils sont déjà morts. Attendez, je suis curieux parce que je crois, les gars, je crois vraiment qu'il y a le boss à Aokiji ici. Ou alors peut-être qu'il faisait partie d'une quête et qui respawn plus. Mais il me semble que par ici, il y avait le boss Aokiji. Bah attendez, on pouvait ouvrir ça avant. Ouvrez-moi cette porte. Mais les gars, je suis pas fou, avant cette porte, elle s'ouvrait. Ouvrez-moi la porte. Je suis sûr qu'il y avait le boss Aokiji derrière. Regardez, il est là. Admiral de glace. Il est là. Mais comment on ouvre cette porte? Je me souviens plus. Je me souviens vraiment plus de comment ouvrir cette porte. Écoutez, vous allez me laisser rentrer, oui, oh. Est-ce que je lui ai fait des dégâts? Je lui ai même pas fait de dégâts. Waouh. Je lui fais pas de dégâts si je le touche à travers, peut-être? Non, zéro, rien. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah écoutez, vous êtes vraiment trop nul. Voilà, tiens. Vous êtes nul, nul, nul. Je m'en vais maîtriser mes trucs autre part. Voilà, salut. Ok, petit bateau. Oula, non. Oh, oh. What? Oh, mais on peut carrément... Oh, mais c'est vrai. J'avais oublié, à un moment donné, Termidi, il pouvait contrôler ce pouvoir. Et c'est vrai qu'il pouvait marcher sur l'eau. Oh, mais c'est trop bien. C'est comme la V2 du magma. Sauf que là, bah, on l'a directement en V1 du fruit de la glace. Oh là 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 là. Non, mais d'ailleurs, les gars, il faudra que je fasse un raid sur le fruit de la glace aussi. Du coup, en faisant la V2 sur le magma, et bah, j'ai pu voir tous les raids possibles, en fait. Et on peut vraiment V2 beaucoup de fruits. Du coup, bah, c'est... Je suis impatient de les faire pour voir la puissance de tout ça. Ok, ah, on arrive directement à l'île des singes. Wouhou, coucou les copains. Oh, mais ça se tabasse ici. Je vais t'aider mon pote, allez hop là, on les défonce. Oh pardon, je l'ai tué au passage. Bah désolé copain, j'espère qu'on l'a aidé au moins. Peut-être on l'a aidé à défoncer le roi gorille. On t'a aidé? Mon pote, est-ce qu'on t'a aidé? Oh il veut activer son joueur contre joueur lui. Ouh là là, pourquoi tu veux activer ton joueur contre joueur? Tu veux activer ton joueur contre joueur? C'est ça que tu veux faire? Eh bah pique de glace. Bah oui, non mais tu veux m'affronter, voilà, viens affronte.
moi. Il est fou, il est actif sur le joueur contre joueur à côté de moi. Bon, allons trouver des ennemis dignes de ce nom là. Bonjour, vous auriez pas un... Ouais, vous avez que ça. Bon bah c'est pas top hein. Qui est-ce qu'on pourrait bien aller se taper par là? Vous savez quoi, on peut aller vers la prison là-bas, voilà. On va aller vers Impel Down. Je pense que là-bas on peut se trouver 2-3 petits boss. Il y a plein de petits boss là-bas dignes de ce nom, ça peut être pas mal. On va augmenter nos maîtrises là-bas les gars. Bon par contre c'est un petit peu long avec ce bateau, je vais en prendre un autre. Donnez-moi un vrai bateau là, un bateau de riche. Je veux un bateau de riche. Hop là, Unforcer, let's go, merci. Ça c'est mon petit bateau fétiche. Oula, par contre je vais le casser, attendez, je vais le casser si je mets de la glace dessus, attendez. On refroidit pas les moteurs, on y va. Direction Impel Down. Normalement là-bas il y a 3 boss. Il y a le boss, le premier boss Doflamingo. Il y a aussi le boss Warden et l'autre Warden boss. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, allons voir tout ça les amis. Normalement on pourra augmenter nos maîtrises contre eux. Et attendez, je suis curieux aussi parce que vous vous souvenez de ce détective? C'est lui qui nous avait donné la mission et on finissait avec Aokiji. Si on lui parle, oh intéressant, je pense que Swan est dans la seconde scie. Non, j'ai un capitaine. Ah oui, non, c'était vraiment pour passer. Mais on peut plus affronter, je pense. Oh, bah c'est trop stylé. Mais, ah oui, mais j'avais oublié, mais on peut vraiment. Mais du coup, mais c'est trop bien ce pouvoir. On a plus peur de l'eau du coup maintenant. Bon, y a pas Doflamingo ici. Ah, ils sont où? Il y a plus personne. Ah, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Mais là-bas, il y a des joueurs, vous les avez tués? Attention, je vais me venger. Ma franchise, c'est terrible. Écartez-vous. Voilà, je te défonce. Oh, et on a passé, attendez, sans faire exprès, du coup, on a passé une maîtrise supérieure. Eh oui les gars, il y a un nouveau shérif en ville, faut faire attention. Et les boss sont toujours pas respawn hein. Bon, c'est pas grave. Voyons voir oiseau de glace. C'est quoi oiseau de glace? Ok, c'est encore une attaque. Ok, on envoie un oiseau de glace. Ok, je suis curieux de voir ce que ça fait comme dégâts ça. Oiseau de glace, bonjour toi, tu vas tester oiseau de glace. Ah, même ça les one shot. Ils sont pas très très forts ici dis donc hein. Ah ouais mais là du coup les gars on a plus qu'une seule maîtrise. On a débloqué déjà 3 maîtrises de zinzin. Attendez mais ils veulent pas respawn les boss? Dans mes souvenirs ils respawnaient en moins de temps que ça. Bon attends, toi tu vas tester oiseau de glace. Bon il a pas activé son joueur contre joueur donc c'est lui qui va tester oiseau de glace. Oh ça transforme en glaçon. Oh attendez, je suis pas fou. Attendez, ça veut dire que même lui je peux... Ah bah non, je peux peut-être pas le transformer en glaçon lui. Mais du coup ça transforme en glaçon, mais c'est stylé ça. Il s'attransforme en glaçon n'importe qui. J'aime bien les trolls des joueurs moi. Et attention, on va essayer ça sur toi. Oiseau de glace, tu es un glaçon. Et boum, on arrive et on lui met un coup. Ok, c'est stylé en vrai. Est-ce qu'on peut transformer des joueurs en glaçons les gars? J'ai envie d'aller tester ça quand même. Oh non, la nuit tombe, j'ai peur de la nuit. Ça fait trop peur, surtout dans le jeu les gars. Bon, où sont les joueurs? Wouhou, les copains. Je fais vous transformer en glaçons. Bon, il y en a sur l'île des débutants, mais non, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'à peu près fort? Collapse team. Lui, il est pas assez fort, on l'a déjà défoncé. Oh, lui peut-être. Oh oui, attendez, il y en a un qui est un peu plus fort par ici. Oh lui. On l'a vu lui. Ok, toi, tu vas devenir un glaçon. Viens là, tu ne m'échapperas pas. Mais il est où? Oh, il est caché là-dedans. Attends, c'est l'autre que je veux. Il est là, il sait pas que je peux aller là. Ah, on est plus que toi et moi. Non, glaçon. Voilà. Et ben, lui, il est mort. Là, désolé. Je suis désolé. Mais ça, c'est quand même devenu un glaçon le temps d'un moment. Oh bah, je suis navré, je l'ai défoncé. Qu'est-ce que tu veux, toi? Casse-toi. Il fait le Bouddha, il fait le malin. Il est malade, celui-là. Je le défonce, moi. D'habitude, il y en a, ils sont vraiment très très bas niveau, mais ils peuvent avoir quand même des formes impressionnantes. Alors qu'ils sont éclatables en 2 secondes. Ici, t'en veux? Ouais, c'est ça, ouais. Calme-toi. Oiseau de glace. Boum, attention. Oh, il active son joueur contre joueur. Oh, c'est très drôle. Vous savez quoi? On va. Attendez. C'est très. Non, mais c'est mignon. Vas-y, attaque-moi. Voilà. Essaye de m'attaquer. Vas-y, t'as une épée. Vas-y. On croit en toi, t'as une épée. Vas-y. Défonce-moi, mais il arrive pas à me viser. Allez mon grand, vas-y t'es grand, tu peux le faire. Oiseau de glace, t'as de la chance. Mais reviens là, moi je peux courir sur l'eau, t'es fou. Lance de glace. Bon allez c'est bon, voilà dégage. Ouais bah non mais il active son joueur contre joueur, il fait le malin et puis il se tire. Je comprends pas ces joueurs. Bon les amis, ce serait pas mal quand même qu'on aille faire notre maîtrise 100 en vrai sur le gros boss Aokiji en C2. Donc c'est parti, on va y aller les gars, on va y aller. Hop là, bonjour capitaine, emmenez-moi à un deuxième monde. Let's go. Impossible de se téléporter pendant le combat. Mais je suis plus en combat, je l'ai défoncé. C'est bon. Autant pour moi, je m'énerve un peu. Excessivement parfois. Allez, let's go. Mais il fait nuit ici aussi, mais c'est incroyable. Le soleil se couche, mais partout où je vais, le soleil veut pas de moi. Allez, c'est dommage qu'on ait pas un petit moyen d'aller plus vite là. Un nuage de glace pour fly dans les airs. Bon les gars, en vrai d'habitude, vous savez, à chaque fois qu'on passe par ici, on achète un petit fruit, mais là j'ai vraiment plus beaucoup d'argent. Toi, hop là, tiens. Oh, tu es un glaçon maintenant. Au revoir. Je suis le méchant dans les films. Bon, voilà, ça se bagarre à l'intérieur. Pas de bagarre dans les échoppes. Oh, c'est un bar PMU ici, c'est pas une arène de combat. Vous comprenez ce que je dis, c'est pas une arène de combat. Bon les gars, j'ai plus beaucoup d'argent, mais on peut quand même essayer d'en prendre un. Allez, s'il te plaît, donne-nous un fruit aléatoire de zinzin. S'il te plaît, c'est mon dernier, le fruit
de la flamme. Comme par hasard, comme c'est bizarre, mais je crois que je l'ai déjà, les gars. Malheureusement, je l'ai déjà, le fruit de la flamme, et j'ai plus d'argent. Vous savez quoi, c'est pas grave, je le garde dans mon inventaire, tant pis, je mourrai avec si jamais. Au pire, attendez, vous savez quoi, je vais le donner, je vais le lâcher là. Si quelqu'un le veut, voilà, je le lâche. Oh, il y a un petit Luffy, comment ça va, petit Luffy? Oh, il active le joueur contre joueur, oh, il veut en découdre. Oh, il veut en découdre celui-là. Salut mon pote, poisson de glace, et boum, et flan. Oh là là, oh, il a repris de la vie en 2-2, je sais pas comment il a fait. Bon, en tout cas, il a compris que c'était le patron, il a fui. Ah, allez, nous les gars, on doit aller quand même se faire le boss Aokiji, qui est dans sa petite île de glace, tout loin. Puis où il est? Bah, il m'a demandé, c'est moi ou il m'a envoyé une demande d'amis? Je l'ai défoncé, il m'a envoyé une demande d'amis. Bizarre, les joueurs. Ok, alors moi je voulais juste un petit bateau. Hop là, c'est bon, c'est pour aller sur le Aokiji. Merci beaucoup. Ok, normalement c'est le maxi château là-bas. C'est le maxi boss et on va pouvoir se le défoncer facilement normalement. Parce que bon, ça va, les boss de 6-2 maintenant, on se les fait en 2-2. Ok les amis, en avant, on arrive vers le petit château glacé de Aokiji. On va s'en emparer. Allez, c'est parti, est-ce qu'il est là au moins? Je le vois pas. Boutique, alors, boss de réapparition. Bon, bah tous les joueurs seront contents. Allez, on fait spawn tous les boss. Voilà, bon, tout le monde sera content et le boss Aokiji est là-bas. Ah oui, en plus, bah vous voyez les gars, en 6-1, on avait l'amiral de glace. Sauf que là, c'est l'amiral de glace, mais avec son pouvoir éveillé du coup. Un peu plus fort. Bon, on va commencer avec la technique de l'oiseau de glace. Tu es un glaçon. Boum. Ensuite, bam. Ensuite, vron. Et voilà les gars, on lui fait un petit enchaînement à 13 000. Ou par contre, attendez. Oh, oh. Et il va faire ses attaques aussi. Ouh, mais il fait ses mêmes attaques. Je connais tes attaques maintenant. J'ai les mêmes. Ah. Ok, on se TP là-bas. Oh, mon TP veut pas marcher. Ah. Je me suis fait emprisonner. Wow. Ah, je bloque ton attaque avec la même. Hop. Petit oiseau de glace et lance de glace. Boum. Ok, il est midlife. Oh, qu'est-ce que tu fais, frérot? On va pas rester ici toute la. Wow. Attendez, il m'a fait un pouvoir de fou. Ah, mais du coup, attendez, ça va me spoil les attaques. Il faut vite que je le tue. Sinon, en fait, ça va me spoil les attaques. Vite, je vais te défoncer. Ça me spoil les attaques du fruit éveillé, en fait. Hop. Allez, voilà, va-t'en. Et lance de glace. Je sais pas où il est. Il est là. Ok. Oiseau de glace. Tu es un glaçon maintenant. Et je te défonce avec ton trident. Oh là là. Oh là là. Attendez, ça fait pas du bien. Wouhou. Lance de glace et boum. On le défonce. Et on passe à la maîtrise normalement. Voilà, on a dépassé la 100 très facilement. Bon, en vrai, les gars, il nous a mis très très low. Mais bon, en vrai, j'y suis allé très tranquille aussi. J'ai pas pris mes précautions. Bon, bah, maîtrise 120. Et du coup, là, on a débloqué époque glaciaire. Attendez, bah, on va essayer sur ses sbires. Bonjour, les petits snowman. Hop là, essayons époque glaciaire. Ouh. Ok, ça fait pas énormément de dégâts. En fait, ça marche vraiment si on a beaucoup d'ennemis sur nous, en fait. C'est juste ça. Mais bon, vous voyez, imaginons, on a plein d'ennemis autour de nous. Voilà. Ok, époque glaciaire, on teste. Et boum. Ok, ouais, ça les défonce un peu tous. Mais en même temps, après, on a ça aussi qui peut les défoncer tous en même temps aussi, quoi, s'ils sont devant nous. Ça les met tous. Ok. Oh, ça les a tous les trois transformés en glaçons. Et boum. Et il m'a tué. Voilà, bah nickel. Ok, d'accord, donc je vois à peu près l'étendue des pouvoirs de Aokiji, mais je pense que la version en V2 est vraiment incroyable, ou alors beaucoup mieux. Je sais pas s'il nous a montré tous ses pouvoirs en V2 en haut là-bas, mais j'espère que c'était pas tout. J'espère que c'est qu'il y en a beaucoup plus derrière ça. Peut-être qu'on débloquera un moyen de locomotion, j'en sais rien du tout. En tout cas, les amis, voilà, c'est une vidéo assez courte, mais efficace. On a découvert le fruit de Aokiji avec un giga trident quand même bien bien stylé. Il y a moyen de spam des trucs de fou. On peut les spam comme ça, tu mets ton petit acquis de l'observation et boum, tu les défonces en 2-2. C'est parfait pour spam et augmenter et farm des levels. Bon, en tout cas les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo en balle. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut.